comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Vixen and all his reindeers pulling on the reins. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. So hang your stockings and say your prayers, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle, jangle, oh, what a beautiful sight. So jump in bed and cover your head, 'cause Santa Claus comes tonight. Hello, everybody. Eh oui, c'est le petit Yacine ici. Je vous fais ce petit podcast qui est spécial en soi parce que c'est mon premier. C'est la première fois que je me lance là-dedans. Puis ça va juste être les gens autour de moi qui vont écouter celui-ci, puisqu'il a un but particulier, c'est de vous présenter un peu mon projet que je veux partir avec ces podcasts, puis d'avoir un peu de votre feedback, puis voir si ça vous intéresse de participer, puis de faire valoir votre opinion, votre savoir et votre façon de rigoler. Moi, t'es un petit génie, moi. Puis c'est ça. Puis dans le fond, aujourd'hui, je vous fais un podcast. Puis ce podcast-là, on va le faire dans l'esprit de Noël, dans l'esprit des fêtes. Parce qu'il est 23, on est le 23 décembre, il est 1h du matin, je suis encore réveillé, je viens de tomber en vacances. Puis je m'amuse à faire ce podcast-là. Ça m'a pris quoi, 3 heures à essayer de tout plugger mon micro avec les logiciels pour enregistrer, puis aussi je m'étais acheté un petit pad avec des petits beats que je peux intégrer, donc là, mettons, je me fais un petit beat de drum. Ha! Yeah! Everybody let's dance, everybody let's have... Ok, c'est ça. Fait que, c'est mon but, c'est de faire un petit podcast où est-ce qu'on vous divertit avant tout, et on vous éduque après tout. Puis les sujets souvent vont être en lien avec le développement personnel, puis la spiritualité. Deux sujets, deux domaines que, croyez-moi, vont péter fort dans cette décennie, ils vont prendre beaucoup de place, j'en ai la certitude. Et ce, grâce notamment au COVID. Puis le COVID, on va en jaser, là, je pense qu'il y a un point de presse ce soir, puis on retombe en confinement à Québec. Le COVID, tu sais, c'est de la merde, on va se le dire, mais je pense que... Il est là pour créer quelque chose de plus positif dans l'humanité. J'aime ça voir le verre à moitié plein. Puis ce que je vois comme moitié pleine dans le COVID, c'est qu'on est en train de vivre une dépression puis une psychose collective un peu. Puis ça va nous pousser à se demander c'est quoi nos vrais objectifs, c'est quoi nos vrais besoins, c'est quoi qu'est-ce qu'on a de besoin maintenant là. Malgré ce COVID-là, on peut-tu amener autre chose à la population? Puis je pense que tout ce qui est développement personnel, spirituel, que ce soit des lectures, des enseignements, de la méditation, de la relaxation, canalisation, travailler sur soi-même, je pense que c'est le moment idéal pour implanter ça dans nos vies, puis chacun individuellement, puis collectivement. Je pense que si individuellement chacun faisait un effort sur ce point-là, eh bien collectivement on avancerait d'un pas de géant. Ce qui est le fun avec ça, c'est que ça coûte pas grand chose. Puis c'est accessible. Puis il y a beaucoup de monde aussi qui travaille. Un big up en passant, un gros applaudissement aux gens qui sont dans ce domaine-là. Puis qui se donnent à travers les médias sociaux, à travers leurs œuvres pour élever les gens, pour les amener à un autre niveau de conscience, pour les amener à réfléchir de façon plus alignée avec leurs objectifs dans la vie, leurs vrais objectifs, avec leur divin intérieur. Donc voilà. Donc comme je dis, le sujet aujourd'hui, c'est... Qu'est-ce que c'est le sujet d'aujourd'hui? C'est Noël. Puis on va commencer en vous demandant, c'est quoi Noël pour vous? Je pense que dans 2021, Noël a pris plusieurs définitions. Dépendamment de notre âge, dépendamment de notre origine, dépendamment de notre situation financière. Noël a tous ses tons et couleurs. Pour ma part, moi, Noël, j'ai connu ça en 2001. Quand je suis arrivé au Canada, j'avais 6 ans, un petit bambin qui parlait à moitié français, moitié arabe. Puis là, on me dit, là, j'ai à l'école, puis là, le temps des fêtes arrivait. Puis mon père savait pas trop c'était quoi non plus, il en avait entendu parler un peu. Puis à l'école, il parlait beaucoup de ça, Noël. Puis
Et là, moi, je savais pas c'était quoi. On me dit, il y a Père Noël. J'ai dit, quoi, il y a Père Noël? Ça se peut pas, ça. Ouais, casse-toi, connard, ouais, casse-toi. T'es un petit comique, toi. Parce que, je vais mettre le bon audio, là. C'est celle-là que je voulais mettre. Mais arrête, tu dis n'importe quoi. Ah, c'est exactement ça, je disais aux autres. Je disais n'importe quoi. Moi, là, me faire dire qu'il y a un bonhomme qui a des reines, puis qui a un gros sac de cadeaux, qui passe le 25, puis qui donne ça, puis il faut que tu mettes un petit biscuit le soir, puis un sapin, tout ça, c'était nouveau pour moi. Là, j'ai envie de dire ça à mon papa. Évidemment, mon papa me dit, nous, on croit pas à ça. Puis en passant, mon papa, durant ma jeunesse, il m'a dit à quoi croire, puis ne pas croire, comme la plupart de nos parents. Puis en grandissant, mais j'ai compris, grâce à lui, j'ai compris comment gager nos croyances, c'est quelque chose de très important. On en parlera une autre fois, comment accepter des croyances, comment intégrer des croyances, etc. Mais mon papa, il me disait, ben, tu crois pas au Père Noël, toi, tu crois pas à ça. Et là, moi, j'étais comme, ok. Mais je voyais tout le monde qui avait des cadeaux, puis c'était normal, fun, puis ça avait l'air cool. Puis c'était juste qu'à l'âge, je pense, de 20 ans, je pense, quand j'étais avec mon ex, puis j'avais fêté Noël avec eux en famille. Puis c'était le fun, j'ai vu que c'était un moment de communion familiale, puis partager des bons moments, d'un bon repas, puis des cadeaux. Ça fait le fun, c'est le fun d'avoir des cadeaux. Faut pas que ce soit le centre, quant à moi. Je pense que les cadeaux, c'est une raison justement pour se réunir. Puis c'est une raison pour voir est-ce que j'ai mis autant d'argent que la personne qui m'a donné mon cadeau. On fait des comparaisons, hein, souvent on reçoit un cadeau, on va dire alors moi ça m'a coûté ça, tout ça t'a coûté combien. Mais non. Si on donne des cadeaux, on le donne sans attendre. Puis dans l'amour. Puis les cadeaux. Les cadeaux, il y a plusieurs sortes de cadeaux. Hein. Il y a les cadeaux qui coûtent de l'argent, puis il y a les cadeaux faits maison. Moi, personnellement, j'aime bien les mix des deux. Là. Quand tu fais quelque chose de ta propre main, puis tu le donnes, c'est un peu plus significatif. Puis des fois, quand on n'a pas beaucoup de sous, c'est excellent. Écrire un poème, faire une vidéo. Moi, je faisais ça, des vidéos. Je faisais des petites vidéos à mes amis. Leur envoyer ça, j'aime un bon cadeau. Fait que c'est ça, c'est un peu ça Noël pour moi. Puis aussi, Noël, ben, c'est la fête du petit Jésus. Je sais pas, parmi mes amis qui écoutent, si vous êtes familier avec ce personnage, mais laissez-moi vous mettre en perspective la chose. Si vous êtes de ceux qui sont fervents, amoureux de, mettons, des Conor McGregor, ou ben des Michael Jordan, ou ben des Miley Cyrus, c'est ça, c'est le genre de gens qui vont toffer peut-être 30, 40 ans dans l'histoire, puis après ça, on n'en entendra pas plus parler. Là. Mais Jésus, là, ça fait 2000 ans, 2000 années là, qu'on parle de lui, puis je pense que c'est pas fini avant la fin des temps. Ça, c'est un homme qui a marqué l'humanité. Moi, c'est un de mes idoles, là, honnêtement. En passant, j'avais lu un livre sur le Christ, puis ça disait... je vais essayer de vous le dire le mieux que je peux, là. OK, début citation. Ça va comme suit. Alors que mes apôtres se chicanaient pour savoir qui allait prendre ma place par la suite... Dans cet torrent de colère, je décida de prendre un bol, une serviette, de l'eau, et je leur lavèrent les pieds. T'es un petit comique, toi. Eh oui, j'ai juste un petit comique, j'ai juste c'est un amoureux universel. Ce dude-là, là, dis-toi que pendant que ses amis se chicanaient pour savoir qui allait prendre sa place, mais qui s'en aille, ben, il est allé leur laver les pieds. Puis demandez-vous à quel point, combien d'argent faudrait que je vous donne pour me laver les pieds, hein? Est-ce que vous avez déjà lavé les pieds de votre ami? Ce sera la réflexion que vous ferez ce soir avant de dormir, à qui je peux laver les pieds? Par amour, par pardon de soi. Ok. Bon, j'ai un peu n'importe quoi, mais il faut alimenter le podcast, hein? Donc ça, c'est le petit Jésus. Ici à Québec, par contre, la religion, c'est pas fort. Il y a un mouvement spirituel, beaucoup. Le monde sont comme, ils ont sorti de cette emprise religieuse. Je pense que c'est une bonne affaire. Moi, je ne suis pas pour les courants religieux parce que, peu importe soit-il, les écoles religieuses qui enseignent que leur savoir est unique, ça, je pense que ça doit être quelque chose qui... puis c'est le bon savoir à avoir, puis c'est le seul qui existe. Ça doit être quelque chose qui doit cliquer dans votre tête pour vous dire non, je ne dois pas rentrer là-dedans. Les bonnes églises, c'est elles qui vont dire comme j'ai une partie du savoir, mais j'ai pas le savoir absolu. Tu peux apprendre ce que j'ai à t'apprendre, puis tu peux aller apprendre ailleurs. Puis ça, c'est important pour un bon développement spirituel, quant à moi.
Mais c'est pas la faute à Jésus, c'est la faute aux hommes. Puis que, on pouvait en vouloir à l'église, mais le petit Jésus, il a rien fait là-dedans. Le petit Jésus, il veut juste la paix puis l'amour, puis vous élever dans votre état le plus merveilleux. Et si vous le connaissez pas, vous pourrez lui demander, « Hey, petit Jésus, hein, moi je m'appelle X, puis on m'a dit que t'étais cool, là, j'aimerais ça peut-être faire la fiesta avec toi. » Puis honnêtement, si vous le faites sincèrement, là, je fais ça en joke, mais si vous vous demandez comme ça à l'univers, de, comme si vous parlez à Jésus, je suis prêt à parier un bon 100$ que vous allez avoir une réponse assez tôt dans votre vie. Je vous mets au défi, prêtez-vous, je vais essayer le don. Essayez le don si vous ne connaissez pas le petit Jésus. Donc, assez parlé de Jésus. Prochaine question. Quelle est la prochaine question? Quelle est la prochaine question? Yo, dis-moi, quelle est la prochaine question? Attention, c'est parti. Attention. Ok, 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 ok. Ha, 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 ha. Ça, c'est des transitions. Mon ami, ça fait plaisir à la chanson. Yo. Ok. Petite transition inventée par le fait même. Donc, crois-tu au Père Noël? Et ça, c'est une question philosophique, parce que j'aimerais bien y croire, ce Père Noël. Si on analyse la chose, Père Noël, c'était pas Saint-Nicolas, je pense. J'ai pas les meilleures connaissances en la chose, mais il me semble que Père Noël, c'était Saint-Nicolas. Ça, c'était un saint. Fait que pour moi, les saints de l'Église, un saint, là, il va pas avec l'Église, il va avec Dieu, quant à moi. Là. Fait que plus tu t'approches de Dieu, plus t'as des pouvoirs, quant à moi. Fait que ce doute-là, il doit sûrement exister quelque part. Puis il doit sûrement entendre les prières des jeunes qui font des demandes au Père Noël. Mais tu peux aussi t'en coller, tu peux callement juste te dire « Fuck le Père Noël, c'est moi qui achète les cadeaux, c'est moi qui donne la joie. » C'est correct, je pense qu'il y a un Père Noël en chacun de nous, puis c'est de l'explorer, c'est de devenir ce petit... personnage magique qui amène la joie et l'amour. Donc, crois-tu au Père Noël? Donc, ça revient à crois-tu à la magie à l'intérieur de toi? Crois-tu au don que tu es prêt à faire à ton entourage? Puis, je vous invite à être un Père Noël cette année, à donner sans compter. Puis, sans nécessairement que ça soit coûteux en argent, mais juste de donner votre temps, de votre amour, de votre attention, de votre écoute. Ce serait bien, non? Ce serait bien, ouais. En ces temps de COVID, faut être solidaire. Oh ouais. Oh ouais. Puis on va faire une petite pensée pour les gens qui sont seuls. Ça m'est arrivé quelquefois de vivre Noël bien seul chez nous. À rien faire, savoir que tout le monde est en train de s'amuser. Puis ça m'a conscientisé qu'il y a pas mal de monde, des vieilles personnes, des gens dans la rue, des personnes malades, des personnes dans la prison qui vivent ces moments-là bien seuls. Alors que nous, on a le plaisir puis la joie de les vivre accompagnés. Puis dans l'amour de notre famille puis de notre entourage. Alors, on va prendre un petit 15 secondes pour envoyer une petite prière à ces gens-là. Prions. Yeah! Et le petit Jésus vous invite à garder la foi en ces moments de fête, à prier, à demander ce que vous voulez à la vie, à l'univers. Donc, la prière, là, je veux en glisser un mot, tu sais, dans mon évolution spirituelle, je suis rendu au stade de... Moi, quand j'étais jeune, je priais, j'étais musulman, passant toutes mes... C'est juste mes amis qui entendent ça, fait que vous savez que j'ai été musulman dans le temps. Puis c'était cinq prières par jour, puis c'était des versets, tu sais, dans le fond, t'étais debout, tu te dis un verset, tu te penchais, tu te relevais. Moi, je vous le raconte comme je le voyais. Puis tu te repenchais en bas, puis tu te disais des trucs à gauche, à droite. Honnêtement, j'ai jamais trop compris ce que je faisais. Jusqu'à l'âge de peut-être 13 ans, je sais comment, j'arrête de faire ma prière. C'était souvent à cause de l'influence des parents. Puis ben, à 16 ans, j'ai quitté l'islam, 16-17 ans. Puis j'ai commencé ma spiritualité, puis j'ai compris que la prière, dans le fond, c'est ta relation avec l'univers ou Dieu ou le divin auquel tu crois. Puis c'est ta façon de lui dire je t'aime, c'est ta façon de lui dire je veux ça, de lui demander ce que tu veux, c'est ta façon de lui dire merci puis que tu apprécies ce que tu reçois.
Puis ça, c'est un art, prier, parce qu'il faut, le faire dans la sincérité, comme si l'univers ou Dieu était vraiment là à ce moment-là, quand tu mets tes mains devant ta tête, puis que sincèrement tu demandes pardon, que tu demandes please give me money, please give me patience, please give me the what I need for this or that. And ça, c'est très important, puis je voulais souligner ici, parce que c'est tabou, c'est rendu tabou, ça, surtout au Québec, là, puis je trouve ça dommage, parce que on est supposé évoluer, c'est 2022, là, on fait des TikTok encore, là, tu sais, Jesus back to l'an zéro, il torchait, là, tu sais, il marchait sur l'eau, puis il guérissait le monde, là, on est en 2022, 2000 ans plus tard, puis on fait des swipes à droite, puis swipes à gauche pour se trouver une partenaire. Come on, wake up, population, wake up! Ouais, casse-toi, connard, ouais, casse-toi! Ouais, on casse ceux là qui veulent diminuer la vibration. Parce que nous, on est trop chill. Parce que nous, on est chill. Parce que nous, on est des élévateurs. Yeah, viens danser, viens chanter. Transition opposée, c'est parfait. Ok. Avec une petite transition, je me pratique. Là. Ça, j'ai un petit pad là, avec genre 16 touches. Puis. Je peux les mettre sur trois configurations. Fait que j'ai à peu près 48 touches. Je vais m'amuser dans les podcasts. Je vais me pratiquer à mettre de l'ambiance avec ça. Bref. Donc, prier. Donc, ça touche la fin de ce podcast. Écoutez, je veux vous remercier, mes amis de proche de loin, que j'appelle mes frères, mes sœurs, avec qui je veux aller loin dans l'avenir. Si vous écoutez ceci, c'est que je tiens à vous, malgré tout. Puis ça, je veux que vous me fassiez un petit feedback là, si, par rapport à ce petit podcast-là. Ça m'aiderait beaucoup. La qualité de l'audio, les sujets étaient-tu nice, puis des suggestions, ah, tu pourrais améliorer ça, tiens, une suggestion constructive. Puis idéalement, si vous écoutez ça, c'est aussi que je vous ai choisi pour peut-être faire que vous soyez un de mes invités dans un podcast, puis idéalement, tu sais, on prendrait des sujets qui vous intéressent, que vous maîtrisez, puis que vous voudrez partager avec le peuple, avec notre village au Québec et notre magnifique province, peut-être même en France, s'il y a du monde qui nous écoute. On verra, là. Mais on met de l'ambiance, on met de la musique, on s'ouvre une petite bière, un verre d'eau, peu importe, un café, puis on jase pour élever la conscience. Ce serait un beau. Une belle expérience à faire, puis un beau don de soi, en parlant du don de soi. Donc c'est ça, fait que je te dis. Hasta la vista! Hasta la vista! Hasta la vista! Moi, j'ai un petit génie! Yeah, Yassine, c'est un petit génie, c'est malade, non? Fait que j'attends tes nouvelles. Bye bye, je t'aime. Bisous. Ah, attendez, je veux dire de quoi avant. Donnez-vous de l'affection durant ce temps des fêtes. Oh oui. Tu sais, souvent, le monde aime ça hardcore un peu, mais de l'affection. De l'affection, de la douceur. Tu sais, avec le COVID, on est stressé, on n'est pas bien dans notre peau, mais prenez le temps d'être doux, puis de dire des mots affectueux, puis de donner de l'affection corporelle. Je pense que c'est un beau cadeau que vous pourrez faire dans votre entourage. Allez, je vous donne un gros câlin, je vous flatte le dos, je vous donne un petit bisou sur la joue, hein, un autre sur le front, puis je vous dis que vous êtes beau, puis que vous êtes parfait, puis que tout va bien aller, parce que t'es la meilleure, puis t'as accès à tout ce que tu veux. T'es divine, là. Tu es divin, tu vas faire tout ce que tu veux. Tu vas réaliser 2022. Yo, je te dis, ça va être ton année, là. Tu vas tout faire en 2022. Allez, bisous. Bye bye. Vu que je suis smart, je vais vous laisser des petites tonnes pour danser, pour célébrer, pour élever la joie. Et allez, ciao! Gonna bring the flame, I'll show you how. Got
got a question for you, better answer now. Yeah. Am I original? Yeah. Am I the only one? Yeah. Am I sexual? Yeah. Am I everything you need? You better rock your body now. Everybody. Yeah. Rock your body. Yeah. Everybody. Rock your body, my back screens back. Alright. Alright. Now throw your hands up in the air. Wave them around like you just don't care. Hasta la vista.